Dans le cadre de l'opérationnalisation du concept Ubité Djangté dans leur commune, l'amicale des élèves et étudiants de Koussy, après avoir organisé des cours de vacances, ont pris le soin de débarrasser leurs sèmes des herbes pour mettre leurs jeunes frères et sœurs dans de bonnes conditions de démarrage des enseignements apprentissage. Lamine Fikou est leur président. Après avoir fait 3 semaines de cours de vacances, et défricher le sème de Koussy, nous voulons que le slogan Ubité Djangté soit respecté partout dans les écoles élémentaires de la commune de Koussy. Autour du thème l'apport de l'éducation dans le développement local, ils ont su attirer l'attention de leurs parents sur la nécessité d'inscrire à l'état civil les nouveau-nés. Les étudiants s'engagent à sensibiliser tous les parents d'élèves et les chefs de village à enregistrer tous les nouveau-nés dans la commune de Koussy. Ces étudiants qui font face à un réel problème de logement et d'acquisition de tickets ont pu compter sur la sympathie de leur aîné, Bourama Sidiba, professeur de lettres au lycée de Mboro, qui a sollicité le soutien du maire et l'accompagnement du DAC de CFA au nom de la responsabilité sociétale des entreprises. Ils rencontrent d'énormes difficultés à Dakar, à Thiès, à Bambey, à Saint-Louis. Même si la mairie a des moyens limités, quelques limités que soient ces moyens, on peut quand même leur venir en aide. Il y a le DAC aussi qui est implanté ici au niveau de Koussy. Je pense que de concert avec les responsables, on devrait pouvoir leur venir en aide. Au regard des jalons posés en amont et de l'engagement des uns et des autres, l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Koussy espère avec conviction que les cours vont démarrer dans les écoles de leur localité le jour même de la rentrée scolaire.